1. Comprendre un message sur son répondeur téléphonique. Activité 1. Coucou, c'est Isabelle. Comment vas-tu? Tu veux sortir vendredi soir? Il y a un nouveau bar sympa au centre-ville, le Mambo. Il se trouve au 42, rue des Guerriers Samouraïs. La décoration est très jolie et la musique est sympa. Pour aller au bar, ne prends pas le tramway, mais le bus. Rappelle-moi pour confirmer. Bisous. 1. Comprendre un message sur son répondeur téléphonique. A. D'un ami. Activité 2. Coucou, c'est Laetitia. J'ai rendez-vous avec David et Geneviève à midi et quart. On mange chez moi et après, nous allons à la piscine pour nager et bronzer sur la pelouse. Si tu veux venir avec nous, appelle-moi. Si tu viens, n'oublie pas de prendre tes lunettes de soleil. Bisous. Activité 3. Salut. C'est Hugo. J'ai une bonne nouvelle. Florian est revenu d'Allemagne mardi. Il reste à Toulouse pendant quatre jours. Il veut nous voir. Je te propose de venir dîner chez moi jeudi soir. Si tu es d'accord, est-ce que tu peux apporter des tomates pour faire une salade Appelle-moi ce soir. Bise. Activité 4. Bonjour, c'est Rose. Tu vas bien J'ai fait une réservation à la pizzeria Giovanni. Nous avons rendez-vous à midi et demi. Il y a des menus à 14 euros ou à 17 euros. Je te donne l'adresse. 15, rue des Peupliers. Nous serons trois personnes. J'ai invité ma sœur. Appelle-moi pour confirmer. À demain! Activité 5 Salut, c'est Alex. Je suis en retard. Je ne peux pas passer chez toi. Je te donne rendez-vous au nouveau cinéma. Prends le bus numéro 16. En direction du centre commercial des Fontaines. Descends à l'arrêt, nouveau cinéma. Le cinéma est rue de la Gare, au numéro 3. Est-ce que tu peux acheter les tickets, s'il te plaît La place coûte 7 euros. À tout à l'heure. Bisous. Activité 6. Salut, c'est Sylvain. Nous allons visiter Strasbourg la semaine prochaine. Tu veux venir Ça va être sympa. Nous allons prendre le train. Il part samedi matin à 8h56. N'oublie pas ton appareil photo. Rappelle-moi à mon nouveau numéro 07 56 13 88 42. Ciao Activité 7 Salut, c'est Anthony. J'ai deux invitations pour le cinéma. Tu veux venir C'est gratuit. Je finis le travail à 15 heures, mais je vais chez le dentiste à 16 heures. Alors, je te propose d'aller à la séance de 18 heures. Rappelle-moi quand tu as choisi le film. Après, je vais faire la réservation sur Internet. À plus tard. Activité 8. Bonjour, c'est Megan. Comment vas-tu? Je t'appelle pour le 26 mars. Je suis libre à partir de 2 heures de l'après-midi. Je veux faire une activité culturelle. On peut aller au musée ou au cinéma l'après-midi. Tu es d'accord? Si tu ne peux pas, nous pouvons dîner au restaurant vers 7 heures. Rappelle-moi aujourd'hui. Bisous Activité 9. Salut, c'est Adil. Je suis rentré de voyage le lundi 5. J'ai adoré la Suisse. C'est un beau pays. J'ai fait du ski tous les jours. La nourriture est délicieuse. J'ai mangé beaucoup de chocolat et de fondu au fromage, évidemment. Mais j'ai détesté les rostis. On se voit ce week-end? J'ai un cadeau pour toi. C'est une montre. À bientôt. Activité 10 Bonsoir! C'est Christina. Je vais à une exposition de peinture avec Armel jeudi soir. Est-ce que tu veux venir avec nous On peut se retrouver devant l'espace Matisse à 6 heures. Pour y aller, tu peux prendre le bus 112. L'entrée coûte 7,50 euros. Rappelle-moi au 06. 79, 14, 78, 49. Bise. B. D'un professionnel. Activité 11. Bonjour, ici le garage Bolide. Votre voiture est prête. Vous pouvez venir la chercher aujourd'hui. Le garage ouvre de 8h à midi. Puis de 1h30 à 7h30. Les réparations sont de 223 euros. Nous vous demandons de payer par carte bancaire. Merci. Au revoir. Activité 12. Bonjour. Ici Monsieur Dujardin. Je vous confirme l'heure de la réunion de demain matin. Elle est à 10h30. Le directeur commercial et la comptable seront présents. S'il y a un problème, vous pouvez m'appeler au 04 78 96 12 14. Merci et bonne journée. Activité 13 Bonjour, ici Madame Lara de l'agence immobilière. Je vous appelle pour votre recherche de logement. Nous avons un loft à vous proposer. Il est situé près de la bibliothèque municipale. Si vous voulez le visiter, rappelez-moi avant mercredi, 18h, au 03 88 17 40 15. Merci. Au revoir. Activité 14. Bonjour, ici le club de sport Formule Plus. Je vous appelle pour vous proposer un abonnement à 40 euros par mois. Avec ce tarif, vous pouvez utiliser la salle de fitness et la piscine du lundi au samedi. Si cette offre spéciale vous intéresse, venez me voir au club vendredi ou samedi. Nous fermons à 21h tous les soirs de la semaine et à 19h le week-end. Merci. Au revoir. Activité 15. Bonjour, ici le magasin MegaTech. Félicitations. Vous avez gagné un téléphone portable. Vous pouvez venir le chercher à partir de jeudi. Le magasin ouvre à 9h15. Vous devez présenter une pièce d'identité. Bonne soirée et à bientôt! Activité 16 Bonjour, ici l'agence de voyage Lacrosse. Je vous confirme votre réservation. Vous logez à l'hôtel Gamma, à Bruxelles, du jeudi 25 au dimanche 28. Le petit-déjeuner et internet sont inclus. Je vous conseille d'aller à l'hôtel en taxi. Si vous avez des questions, appelez-moi au 01 57 32 32 33. Bonne journée. Activité 17. Bonjour. Ici le magasin Megaji. Vous avez commandé un jeu vidéo la semaine dernière. Il est arrivé dans notre magasin. Vous pouvez venir le chercher à partir de vendredi au 23 rue des Clochetons. Le magasin est ouvert de 9h à 19h non-stop. N'oubliez pas votre pièce d'identité. Merci et bonne journée. 2. Comprendre une annonce. A. À la radio. Le festival de théâtre en Val-de-Lugne fête ses 10 ans le 20 juillet prochain. Au programme, il y a 6 pièces de théâtre. Chaque année, le festival a beaucoup de succès. 3000 personnes assistent au spectacle. Vous pouvez réserver vos places à partir de maintenant par téléphone ou sur Internet. Activité 2 Profitez de promotions exceptionnelles à méga-jeux. Moins 10% sur les jeux vidéo et moins 20% sur les accessoires. Si vous dépensez 150 euros dans notre magasin, nous vous offrons une remise de 25 euros. Offre valable jusqu'au 30 janvier. Ouverture exceptionnelle le dimanche 29. Activité 3 Radiozik, il est 14 heures. Vous pouvez gagner des places pour le festival musical Nuit Sonore à Lyon. Le festival est du 27 au 31 mai. Pour jouer, appelez le 03 44 56 60 60. Vous devez écouter une chanson et dire son titre. Si vous reconnaissez la chanson, vous gagnez deux places pour le festival. Bonne chance! Activité 4 Radio-Cinéma, bonjour! Aujourd'hui, mercredi, je vous parle des nouveaux films. Pour les enfants, je recommande La Petite Fabrique du Monde. Ce sont sept dessins animés sur l'émotion et l'imagination. Si vous aimez le cinéma classique, allez voir La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Ce film est sorti en 1946 et il revient au cinéma pendant une semaine. Si vous appelez le 0800 63 10 10, vous pouvez gagner deux places gratuites. Activité 5. Radio France, il est 10h. Le nouveau musée d'art moderne va ouvrir jeudi prochain. Les horaires sont de 9h à 19h du mardi au vendredi et de 9h30 à 17h30 le samedi et le dimanche. Radio France offre 20 places. Pour participer, appelez le 0805 15 12 15. Activité 6 RTS, bonjour. Suivez le sport en direct. La saison de football commence mal. L'équipe de Lausanne ne va pas participer à la Super League de football. En hockey, l'équipe de Fribourg a marqué 6 buts et a gagné le match. Enfin, félicitations aux Français. Cette année, il gagne la Coupe d'Europe de basket. Les Français qui habitent à Genève ont célébré la victoire toute la nuit. Activité 7. Aujourd'hui, dans l'actualité musicale, nous parlons du festival Solidays. Cette année, le festival dure trois jours. Du vendredi 28 au dimanche 30 juin, plus de 170 000 personnes vont assister au concert de 50 artistes. Si vous allez les voir, amusez-vous bien. Activité 8. Radio France, bonjour. Il est 11h17. Aujourd'hui, il fait beau en France. Le soleil brille. La température est de 20 degrés dans le nord et 24 degrés dans le sud. Mais dans l'ouest de la France, il y a des nuages et beaucoup de vent. Et la température est fraîche, 18 degrés seulement en Bretagne. Bonne journée! Activité 9. Les magasins Super I e! ouvrent exceptionnellement ce dimanche de 9h à 19h sans interruption. Il y aura beaucoup de promotions. Moins 10% sur le chocolat, moins 20% sur les vêtements et moins 25% sur les DVD. Si vous dépensez 200 euros ou plus, Super I e vous offre une clé USB. B. Dans un lieu public. Activité 10. Mesdames, Messieurs, Le train à destination de Tours va partir voie numéro 5. Il s'arrête à Blois à 11h22, à Saint-Pierre-des-Corps à 11h48 et arrive à Tours, son terminus, à 12h03. Vous devez valider votre billet avant de monter dans le train. La SNCF vous souhaite un bon voyage. Activité 11 Aujourd'hui, votre magasin propose une promotion exceptionnelle au rayon frais. Moins 20% sur le poisson. Profitez aussi des fromages. 2 euros de réduction sur le camembert, le brie et le roquefort. Dépêchez-vous, ces promotions se terminent dans 15 minutes. Activité 12 Mesdames, Messieurs, Bienvenue à bord du vol 354 à destination de Toulouse. Vous pouvez acheter des boissons pour 2 euros et des sandwiches pour 4 euros. Nous proposons aussi des menus à 9 euros. Des journaux sont disponibles en français et en anglais. Ils coûtent 1 euro. Nous vous souhaitons un bon voyage. Activité 13. Chers clients, le magasin ferme dans 30 minutes. Merci de vous présenter à la caisse pour payer vos achats. Demain matin, le magasin ouvre à 9h15 et ferme à 20h. Le magasin proposera des promotions toute la journée. Merci et bonne soirée. Activité 14. Madame, monsieur, la ligne 4 du tramway est fermée du 20 au 23 septembre de 19h à 23h pour cause de travaux. Pour aller à la cathédrale, vous pouvez prendre le bus numéro 13. Pour aller au centre-ville, vous pouvez prendre la ligne 8 du métro. Merci de votre compréhension. Activité 15 Bienvenue à l'Aquarium de la Motte. Aujourd'hui, nous proposons une activité exceptionnelle pour les enfants donner de la nourriture aux dauphins. L'activité commence à 11h. Vous pouvez réserver un ticket à partir de maintenant. C'est gratuit. Activité 16. Mesdames, messieurs, le train numéro 8664 à destination de Nantes départ prévu à 14h27 est annulé. Vous pouvez prendre le train suivant à 16h18, voie numéro 6. Si vous voulez, vous pouvez demander un remboursement de votre billet à l'accueil de la gare. La SNCF vous présente ses excuses et vous remercie pour votre compréhension. Activité 17. Mesdames, messieurs, l'embarquement du vol Air France numéro AF717 commence dans 15 minutes. Ce vol est à destination de Paris. Il part à 8h17. Il dure environ 2 heures et 20 minutes. Merci de préparer votre billet et votre passeport. Les passagers qui voyagent avec des enfants peuvent embarquer maintenant. Merci. 3. Comprendre des conversations entre locuteurs natifs. Activité 1. Situation numéro 1. Bonjour madame. À quelle heure ferme la bibliothèque À 18h30. Situation numéro 2. 5 kilos de tomates s'il vous plaît. Voilà. Et avec ceci, c'est tout. Merci. Situation numéro 3. Excusez-moi, monsieur. Où se trouve la rue Didier-Clément C'est la première à droite. Merci, monsieur. Situation numéro 4. Salut, David. Comment vas-tu Bien et toi Très bien. Je travaille sur un projet passionnant. Quelle bonne nouvelle Je suis content pour toi. Situation numéro 5. Regarde Sophie, j'ai acheté une nouvelle chaise. Oh, elle est très jolie. Activité 2. Situation numéro 1 Estelle, je te présente Sofian. Salut Sofian, enchanté. Situation numéro 2 Bonjour, je voudrais un billet pour Paris. Vous voulez partir à quelle heure Vers 14 heures, si c'est possible. Situation numéro 3. Un café, s'il vous plaît. Je vous l'apporte tout de suite, mademoiselle. Situation numéro 4. Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'hôtel Beaulieu. Bonjour, madame. J'ai réservé une chambre hier. Très bien. C'est à quel nom Monsieur Michel Dubar. Situation numéro 5 Excusez-moi, madame, est-ce que le bus numéro 2 est passé Oui, il est parti il y a deux minutes. Oh non. Activité 3 Situation numéro 1 Bonjour, madame. À quelle heure part le train pour Paris à 18h15, monsieur. Merci beaucoup. Situation numéro 2. Alors, comment s'est passé ton examen Pas très bien. Il était difficile. Oh, je suis désolée pour toi. Situation numéro 3. Joël le musée ferme à quelle heure À 17h30. Alors, il reste une heure avant la fermeture. Situation numéro 4. Oh non J'ai perdu mon agenda. Je vais t'aider à le chercher. Merci. C'est gentil. Situation numéro 5. Qu'est-ce que tu veux boire Un café, s'il te plaît. Activité 4. Situation numéro 1. Quel mauvais temps Oui, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Situation numéro 2. Quentin quel est notre numéro de vol? AF340. Alors, nous allons bientôt partir. Situation numéro 3 Regarde, ce sont les photos de mes vacances. Elles sont jolies. Où es-tu allée? J'ai passé tout l'été à la plage. Situation numéro 4. Tu peux voir les dates du DELF sur Internet. Vraiment À quelle adresse www.abc-delf.fr Situation numéro 5. Qu'est-ce que tu veux dîner Pourquoi pas une pizza Oui, c'est une bonne idée. Activité 5 Situation numéro 1 Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive Bonjour docteur. J'ai mal au bras. Entrez s'il vous plaît. Situation numéro 2 La pièce commence bientôt Oui, dans 15 minutes. Alors, nous devons entrer dans le théâtre maintenant. Situation numéro 3 Paul, tu es prêt Attends, je prends mon parapluie. Mais il fait beau dehors. Situation numéro 4 J'espère que l'examen est facile. Oh non Les examens universitaires sont difficiles. Alors, nous devons étudier toute la soirée. Situation numéro 5 Bonjour, monsieur Durand. Bonjour, Coralie. Est-ce que j'ai des messages Oui. Monsieur Rostand annule son rendez-vous de 11 heures. Activité 6 Situation numéro 1 Amélie, tu as reçu une lettre de David. Ah oui Je vais la lire maintenant. Situation numéro 2 Bonjour, monsieur. Un croissant, s'il vous plaît. Bien sûr. Et avec ceci Une baguette. Et voilà. 2,20 euros, s'il vous plaît. Situation numéro 3. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire Un jeu vidéo. Tu ne préfères pas un DVD Non. Je veux un jeu vidéo. Situation numéro 4 Que pensez-vous de cette casquette Elle est jolie, mais je n'aime pas la couleur. Je peux vous proposer une autre couleur si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Situation numéro 5 J'adore cet acteur. Silence Regarde le film. Excuse-moi. Activité 7. Situation numéro 1. Tu prends quel bus Le numéro 3. Moi aussi. On peut l'attendre ensemble. Situation numéro 2. Madame. Est-ce qu'on peut utiliser le dictionnaire En classe, oui. Et pendant l'examen de français Non, c'est impossible. Situation numéro 3. Est-ce que je peux consulter mon dossier Oui. Utilisez mon ordinateur si vous voulez. Situation. Numéro 4. Bonjour madame. Je suis votre nouveau voisin. Bonjour. Vous habitez au quatrième étage, n'est-ce pas Oui, oui. Bienvenue dans l'immeuble. Situation numéro 5. À table. Le dîner est prêt. J'arrive tout de suite. Activité 8. Situation numéro 1. Je m'amuse beaucoup. Moi aussi. J'adore danser. Situation numéro 2. Qu'est-ce que tu fais Un gâteau au chocolat. Tu veux de l'aide Situation numéro 3. On regarde un film Non. Je préfère regarder un documentaire. D'accord. Ça me convient. Situation numéro 4. Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais trois pots de miel, s'il vous plaît. Et voilà. Situation numéro 5. À qui est le CD C'est le mien. Je l'ai acheté ce matin. On peut l'écouter maintenant Activité 9. Situation numéro 1. Où sont les céréales Au fond du magasin, madame. D'accord, merci. Situation numéro 2. Oh là là, où sont mes clés Elles sont sur la table. <laughs> Comme d'habitude. Situation numéro 3. Tu veux voir quel film Je ne sais pas. Pourquoi pas une comédie Une comédie pff. Pourquoi pas un film d'horreur Oh non Je vais mal dormir cette nuit Situation numéro 4. Qu'est-ce que tu veux manger Je vais prendre un menu du jour. Moi, je n'ai pas très faim. Je vais prendre un plat du jour. Situation numéro 5. Tu es prêt Presque. Je vais chercher mon casque. Pas de problème. On a le temps. Activité 10. Situation numéro 1. Je vais manger des haricots verts. Et moi, je vais me servir des frites. Moi aussi. On peut manger les deux. Situation numéro 2 Est-ce que je peux prendre ton livre Oui, bien sûr. Merci. Il paraît que l'histoire est incroyable. C'est vrai, l'écrivain a beaucoup de talent. Situation numéro 3 Salut Théo, qu'est-ce que tu fais Je consulte les annonces. Hein Pourquoi je veux acheter un vélo d'occasion. Situation numéro 4 À quelle heure se termine la réunion À 11h15. Merci. Situation numéro 5 Vite Mon train part dans deux minutes Dépêche-toi À bientôt oui, oui, à bientôt! Activité 11. Situation numéro 1. Ce spectacle est magnifique! J'aime beaucoup! Oh oui! Et la musique? La musique est très belle! Et l'histoire est magnifique! Situation numéro 2 Le dîner est délicieux. Merci ma chérie. Merci à toi. Tu es tellement romantique. Situation numéro 3 Quelle belle victoire C'est fantastique Oui 80 points pour notre équipe, c'est formidable, j'adore ce sport. Situation numéro 4. Paul, où sont les enfants Ils sont près de moi, ils jouent dans la piscine. Fais attention à eux, d'accord Oui, ne t'inquiète pas, je les surveille. Situation numéro 5. Paris est une belle ville. La tour Eiffel est vraiment jolie. Oui, je suis d'accord avec toi. Et nous avons de la chance. Il fait très beau aujourd'hui. Activité 12. Situation numéro 1. Ce documentaire est intéressant. Les images sont belles. Oui. Je comprends pourquoi il a eu le prix du meilleur documentaire de l'année. Situation numéro 2. Oh J'ai une idée. On va nager aujourd'hui Oui, avec plaisir. Tu veux aller à la plage ou à la piscine À la plage. Je veux nager et bronzer. Situation numéro 3 Dépêche-toi, nous sommes en retard. Oui, oui, j'arrive. Oh là là Nous avons 20 minutes de retard. Ce n'est pas possible. Situation numéro 4 Tu veux aller au ciné ce soir Oui. On peut manger une pizza avant d'aller voir le film. Bonne idée Une pizza et un film C'est un bon programme Situation numéro 5 Oh non J'ai oublié mon casque Mais où est-ce qu'il est Il est à la maison. Attends ici, je vais le chercher. Activité 13 Situation numéro 1 Sophie, regarde cette robe, elle est magnifique. Achète-la, elle est très jolie. Oui, et il y a une réduction de 30%, c'est génial. Situation numéro 2 Bonjour ma chérie, qu'est-ce que tu fais Bonjour, mamie. Je regarde le programme des activités culturelles. Oh Est-ce qu'il y a une exposition intéressante Situation numéro 3. Bonjour, madame Salou. Comment allez-vous Très bien. Et vous Très bien, merci. Tenez, vous avez du courrier. Oh, c'est une carte postale. Ma fille Delphine est en vacances en Grèce. Situation numéro 4. Tu vas où Je vais faire du patin dans le parc. Tu veux venir Non merci, pas aujourd'hui. Demain, peut-être. Situation. Numéro 5 J'adore les fraises C'est mon fruit préféré Moi aussi J'aime beaucoup C'est bon pour la santé Oui je sais Il y a beaucoup de vitamines Activité 14 Situation numéro 1 Bonjour madame Bonjour monsieur je voudrais trois timbres, s'il vous plaît. C'est pour le Canada. Voilà, madame. 1,80€, s'il vous plaît. Situation numéro 2. Est-ce que tu veux aller te promener au bord du lac aujourd'hui Bonne idée. Je vais faire des sandwiches. D'accord. Moi, je vais démarrer la voiture. Situation numéro 3 Charlie, à quelle heure est la réunion de demain À 11h15. Parfait. J'ai le temps de voir un client avant la réunion. Situation numéro 4 On regarde un film ce soir Je t'invite au cinéma. Non merci. Je préfère jouer à BAT. BAT Qu'est-ce que c'est C'est mon nouveau jeu vidéo. Situation numéro 5. Euh, pardon, monsieur, je cherche la file des taxis. C'est facile. C'est tout droit devant vous, jeune homme. Oh Merci, monsieur. Bonne soirée Activité 15. Situation numéro 1. S'il vous plaît, monsieur, où est le terrain de basket Par ici. Vous prenez cette porte. C'est dans le gymnase. D'accord Merci, monsieur. Situation numéro 2. Demain, je prends le métro. Ma voiture est au garage. D'accord. Alors rendez-vous à la station à 9h. Très bien. À demain. Situation numéro 3 Les musiciens arrivent sur scène. Super Le concert va commencer Situation numéro 4 Karine Attends Quoi Qu'est-ce qui se passe Tu as oublié ton sac. Il y a tes clés et ton portefeuille dedans. Oh mince. Merci beaucoup. Situation numéro 5. Quel genre de musique est-ce que tu aimes Moi, j'adore le jazz. Et toi Moi, je préfère la pop. J'aime la pop aussi. Activité 16. Situation numéro 1. Salut Paul, ça va Qu'est-ce que tu fais avec cette valise Salut, je pars en voyage. C'est vrai Quelle chance Tu vas où Je vais en Italie. Situation numéro 2 Il est beau ton appareil photo. Ah oui C'est mon cadeau de Noël. Waouh Quel beau cadeau Situation numéro 3 Oh là là J'ai faim On va au restaurant D'accord. J'ai envie de manger une crêpe. Et moi, je vais manger une salade composée. Situation numéro 4. Tu veux aller danser ce soir Ok, mais où À la discothèque de l'hôtel Non, au club de tango. C'est d'accord, avec plaisir. Situation numéro 5 alors tes vacances tu es allé à la montagne non non pas à la montagne je suis allé à la campagne oh allez raconte-moi alors c'était génial delphes blanc numéro 1 compréhension orale Exercice 1. Salut, c'est Gérald. Tu veux venir au restaurant mercredi soir pour mon anniversaire Charlène et Anthony m'accompagnent. On a rendez-vous à 20h. Je peux passer te chercher à 19h40. Le menu est à 16 euros. Rappelle-moi aujourd'hui au 07. 58 58 81 90. Bisous! Exercice 2 Aujourd'hui, le vent souffle sur la Belgique. Environ 25 km par heure sur tout le pays. Le soleil brille, mais il y a des nuages à l'est. Ce matin, il fait 11 degrés à Bruxelles et à Liège, 12 degrés à Namur, 13 degrés à Anvers et 10 degrés à Ostende. La qualité de l'air est bonne. Exercice 3 Bonjour, ici Madame Pierrette, la propriétaire. À partir de la semaine prochaine, les locataires doivent taper un code pour entrer dans l'immeuble. Vous devez taper le 5189. Si vous oubliez votre code, demandez-le à Madame Raymond, la gardienne de l'immeuble. Elle est disponible tous les matins du lundi au vendredi. De 9h à midi et demi, sauf le mercredi. Bonne journée. Au revoir. Exercice 4. Situation numéro 1. Attention, Marine. C'est mon verre. Pe pardon Tu es en train de boire mon jus d'orange. Oh, je suis désolée. <laughs> Situation numéro 2. Où sont les yaourts, s'il vous plaît Dans le rayon frais, au fond du magasin. Merci, monsieur. Situation numéro 3. Il va faire beau cet après-midi. Oui, j'ai écouté la météo. Il va faire 30 degrés. Vraiment oh, Je vais aller à la piscine alors. Situation numéro 4. Je suis en forme aujourd'hui. Je veux courir 10 km. 10 km Mais tu es fou Non, je ne suis pas fou. Je suis motivé. Situation numéro 5. Chérie, tu peux aller chercher Lucie C'est l'heure. Quoi Déjà Le temps passe vite. Eh oui, nous avons passé une bonne journée au parc. Delphes Blanc numéro 2 Compréhension orale. Exercice 1. Bonsoir, c'est Alexia. Dimanche prochain, je fais un pique-nique au parc. Océane et Quentin viennent avec moi. On peut se donner rendez-vous à 11h devant chez toi. J'apporte la salade. Quentin et Océane font des sandwiches. Est-ce que tu peux apporter les boissons Rappelle-moi. Bisous. À plus. Exercice 2. Radio trafic. Message au conducteur. Il faut faire attention sur l'autoroute A1. Il y a beaucoup de neige à Lille. La vitesse est limitée à 100 km/h sur 9 km. Pour plus d'informations, Appelez le 09 10 80 13 72. Exercice 3. Bonjour, c'est Simon de la librairie Chapitre. Nous avons reçu votre dictionnaire. Vous pouvez venir le chercher aujourd'hui à partir de 14h. Notre magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Exercice 4. Situation numéro 1. Tu as vu mon nouveau sac Oui, il est joli. Joli et pratique. Je peux mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Situation numéro 2. Euh, pardon, monsieur, le cours d'italien, c'est dans quelle salle Salle 12, au premier étage. Ah, merci. Situation numéro 3. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur Charpentier à 11h. Vous pouvez vous asseoir. Le docteur va vous voir dans quelques minutes. Situation numéro 4. Bonjour, je m'appelle Célia Leblanc. Je suis la nouvelle secrétaire. Bienvenue. Je m'appelle Charlotte Colombe. Je suis la comptable. Enchantée. Situation numéro 5 Je peux prendre un roman Je veux lire un nouveau livre. Bien sûr, prends deux livres si tu veux. Delphes Blanc numéro 3 Compréhension orale. Exercice 1. Coucou, c'est Oria. Bonne nouvelle. J'ai un nouveau travail. Je veux le célébrer. Samedi, je vais à Funland. C'est le nouveau parc d'attractions de la ville. Est-ce que tu veux venir avec moi Après, nous allons chez moi pour manger un gâteau au chocolat. Rappelle-moi au 06 15 08 19. 58. Bisous. Exercice 2. Radio ABC, bonjour. Demain soir, la chanteuse Zéphyr est en concert à l'Olympia à Paris. Vous pouvez gagner deux places pour aller le voir. Pour gagner, appelez maintenant. Le 08 92 10 78 35. Le jeu dure 30 minutes à partir de maintenant. Les 20 premières personnes gagneront 2 billets. Bonne chance. Exercice 3. Bonjour. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Pour écouter vos anciens messages, tapez 1. Pour enregistrer une annonce, tapez 2. Pour changer votre code secret, tapez 3. Pour obtenir de l'aide, tapez 0. Pour l'actualité et la météo, Appelez le 623. Exercice 4. Situation numéro 1. Regarde, Niels Il neige Génial On va faire de la luge Bonne idée J'adore ce sport Situation numéro 2. Il fait beau aujourd'hui. On va se promener au lac Oui. On peut aussi aller pique-niquer. Situation numéro 3. Allô Madame Durand C'est Madame Delors. Je suis malade, je ne peux pas aller travailler aujourd'hui. <coughs> Pauvre Madame Delors. Je vais prévenir le directeur. Oh oui. Merci beaucoup. Oh, oh, re... ah Situation numéro 4. Bonjour madame. Avez-vous un plan de la ville Je cherche le musée Beaubourg. Oui, voilà. Je vous montre où trouver le musée. Oh, merci beaucoup. C'est gentil. Situation numéro 5. Bonjour. À quelle heure part le prochain quart pour Pitoche À 14h16, qui est numéro 18, monsieur. D'accord. Un billet, s'il vous plaît.